Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL, FM+, et Canal Anti sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues SFR en France et dans ses régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Palettes en bois, véhicules brûlés, décharges de gaz lacrymogènes, la nuit du mardi 17 au mercredi 18 septembre a été une nouvelle fois rythmée par des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. C'est ce mardi 17 septembre que s'est déroulée à Mandésir, au Marin, la présentation du programme de la 41e édition des Journées européennes du patrimoine en Martinique. L'ancienne ministre de l'Éducation nationale avait annoncé l'expérimentation d'une pause numérique dans 200 collèges pour la rentrée scolaire. Dans votre rubrique « Votre avis compte », ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Les femmes martiniquaises sont-elles souvent trop en chair? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Aujourd'hui, l'air est de qualité moyenne en Martinique. Si vous souffrez de migraines, il faut éviter de manger les fromages vieillis comme le parmesan et le gorgonzola. Il faut également éviter de manger les viandes séchées comme le salami par exemple. Palettes en bois, véhicules brûlés, décharges de gaz lacrymogènes, la nuit du mardi 17 au mercredi 18 septembre a été une nouvelle fois rythmée par des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Le McDo de Dillon a partiellement brûlé, d'ailleurs, curieusement, surtout le haut, tandis que le restaurant situé à côté a complètement brûlé. À Fort-de-France, même le magasin Cash Converter a été pillé. À Dillon également, un dépôt de l'enseigne Carrefour a été pillé. Il contenait du matériel Hi-Fi, des télévisions, etc. Dans la nuit du 16 au 17, un jeune aurait été blessé par balle et plusieurs policiers blessés. Le syndicat Alliance Police Nationale annonce le chiffre de 8 fonctionnaires de police blessés. Par voie de communiqué, le préfet a lancé un appel au calme et à la responsabilité. Hier, plusieurs barrages ont été érigés, notamment à Rivière-Salée ou encore le rond-point de l'Union au Lamentin. Dans un communiqué, les députés Béatrice Bellé et Giovanni William ont lancé un appel au calme et de son côté, le président du conseil exécutif de la CTM, Serge Letchimy, a lui adressé un courrier au Premier ministre. Serge Letchimy réclame des mesures fortes. Le grand port maritime de la Martinique a été victime d'une série d'incidents graves survenus dans la nuit du 16 septembre dernier. Une vingtaine d'individus se seraient introduits sur deux des sites, celui des Tourelles et celui de l'hydrobase Nord, et ont saccagé plusieurs conteneurs. Une boutique de Tifri a également été vandalisée. Une enquête a été ouverte par les forces de l'ordre. Le blocage des prix, la suppression de la TVA sur 54 familles de produits, l'encadrement des marges des importateurs, grossistes et distributeurs, l'augmentation du montant de l'aide aux fret et le renforcement du POSEI en faveur de la diversification agricole, ce sont les 5 mesures d'urgence réclamées par Serge Letchimy au gouvernement de Michel Barnier hier, mardi 17 septembre. Cette demande s'inscrit dans la continuité de la proposition du Conseil exécutif de mercredi dernier concernant la mise en place d'un dispositif exceptionnel de suppression des taux d'octroi de mer sur 54 familles de produits. Une grève éclair, c'est ce qu'ont mené les agents municipaux affiliés à la CSTM, CGTM, SOEM, section de Ducos. Leur mouvement n'aura pas duré plus d'une demi-journée puisque dans l'après-midi, la maire Aurélie Nella a reçu les représentants syndicaux pour comprendre les motifs de la mobilisation. Outre les points déjà inscrits à l'ordre du jour de la réunion programmée ce jeudi, les agents ont soulevé des nuisances olfactives au centre technique et un manque de véhicules de service. Tous les services de la ville et notamment la garderie et la restauration scolaire ont repris dès hier matin.
L'UFM, l'Union des femmes de Martinique, organise le 21 septembre prochain une journée littéraire de 13h30 à 19h au 17 rue Lamartine à Fort-de-France. 13 autrices d'horizons parfois très différents échangeront avec vous tout au long de la journée. L'invité d'honneur est Gisèle Pinoux. C'est ce mardi 17 septembre que s'est déroulée à Mandésir, au Marin, la présentation du programme de la 41e édition des Journées européennes du patrimoine en Martinique. Ces journées se dérouleront les 21 et 22 septembre. Deux fils conducteurs caractérisent cette édition, le patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions sur le plan européen et le patrimoine maritime à l'échelon national. L'occasion de rappeler que grâce à ses outre-mer, la France possède un littoral de plus de 7000 km et le deuxième domaine maritime du monde. Outre Jean-Christophe Bouvier, préfet de la Martinique, et Bastien Méraud, sous-préfet du Marin, étaient donc présents Xavier Nicolas, directeur de la direction de la mer. La Martinique possède en effet une histoire maritime riche dont ports, phares et pratiques culturelles fortes telles l'aïeul et le gommier, ainsi que l'existence d'une pêche artisanale sont la marque. Une multitude d'événements seront proposés à tous pour sensibiliser petits et grands à l'importance de notre héritage patrimonial et maritime en visitant librement ou avec un guide des monuments et des sites souvent exceptionnellement ouverts. L'association Carisco amènera en yol traditionnel le public au fort de l'Islet à Ramiers, au sud de la baie de Fort-de-France, pour assister à une visite scénarisée et participer à un jeu. Il sera également possible de visiter le phare de la Caravelle. À l'occasion de ses 50 ans, la sous-préfecture du Marin présentera son histoire. Le public aura également accès au chantier de restauration du navire-école de Toumelin et découvrira les savoir-faire spécifiques mobilisés. D'autres événements sont eux aussi à ne pas manquer. Ne manquez ni le challenge Yol Ladies, ni la visite aux trois îlets de la troisième plus belle baie du monde avec des explications sur la géologie, le volcanisme, les fortifications, le patrimoine industriel maritime ou encore l'histoire amérindienne. Vous pourrez également partir à la découverte des épaves de la baie de Saint-Pierre, des tortues marines, du fonctionnement des écosystèmes marins ou des voiles traditionnelles de la Martinique, ainsi que des sculptures sous-marines de Laurent Valère. Des visites du Fort Saint-Louis sont évidemment au programme. Enfin, dès le vendredi 20 septembre, le public scolaire pourra participer à l'opération Levez les yeux, Timomai Ouvez les autres, avec des ateliers pédagogiques de sensibilisation à l'écologie et une vidéotransmission de la faune aviaire et sous-marine du Rocher du Diamant, un vestige volcanique de plus d'un million d'années qui fut vaisseau de guerre, lieu de pèlerinage et aujourd'hui refuge des oiseaux marins pour la nidification. Gilbert Pagot, l'historien bien connu, va donner une conférence ce vendredi le 20 septembre à 18h30 au Musée des technologies au boulevard Général de Gaulle à Fort-de-France. Le thème en sera « Les luttes sociales en Martinique » de 1900 à 2009. Demain, ces jours de pèlerinage et plus particulièrement celui de la Salette à Sainte-Anne, sauf contre-temps majeur, les fidèles graviront le chemin du calvaire avant la messe au sanctuaire qui se déroulera à partir de 8h. 2 heures plus tard, à 10h donc, en l'église paroissiale, se tiendra la grand-messe présidée par Monseigneur David Macaire. L'ancienne ministre de l'Éducation nationale avait annoncé, souvenez-vous, l'expérimentation d'une pause numérique dans 200 collèges pour la rentrée scolaire.
Cette initiative, qui consiste à demander aux élèves de déposer leur téléphone portable dans des casiers avant d'aller en cours, vise à limiter l'usage des smartphones dans les établissements scolaires. Bien que l'utilisation des téléphones soit officiellement interdite au collège depuis 2018, cette mesure marque un pas supplémentaire dans la lutte contre l'exposition des enfants aux écrans. Cette idée de pause numérique est apparue suite à des initiatives locales menées par certains chefs d'établissement qui ont déjà mis en place ce système sans attendre les directives du ministère. En mai dernier, Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale, avait évoqué l'idée de casier donc pour les téléphones après un rapport de la commission sur les écrans mandaté par le président de la République Emmanuel Macron. Cette dernière recommandait de limiter l'exposition des enfants aux smartphones avant 11 ans et aux réseaux sociaux avant 15 ans. Notons que de plus en plus de parents prennent conscience des dangers liés à l'exposition précoce des enfants aux écrans et à la pornographie en ligne. Nicole Belloubet a évoqué une possible extension de la pause numérique à l'ensemble des collèges dès 2025. Cependant, la mise en place de cette mesure pourrait rencontrer des obstacles, notamment en raison du coût des casiers que les collectivités locales devraient financer. De plus, certains parents et enseignants dénoncent l'approche de l'Éducation nationale qui restreint l'usage des smartphones tout en promouvant l'intégration du numérique à travers les tablettes et les manuels numériques mis à disposition des élèves. À l'occasion de l'anniversaire de la disparition d'Eugène Monas, c'était le 21 septembre, Robert Mavunza, le spécialiste des cantiques de Noël, a produit un single de très grande qualité qui lui rend hommage. Les Journées européennes du patrimoine vont se dérouler samedi et dimanche prochain, les 21 et 22 septembre donc. À cette occasion, les forces armées aux Antilles proposent la visite du fort d'Euzay, situé sur la route de la Folie. Les visites auront lieu de 8h30 à 15h30. L'inscription est obligatoire. Elle peut se faire par Internet. Le service de presse des armées vous invite donc à venir découvrir le fort d'Euzay, un lieu emblématique martiniquais construit au XVIIIe siècle sur le morne Garnier à 146 mètres d'altitude. Anciennement nommé Fort Bourbon, il devint, sous la Révolution, le fort de la Convention avant de prendre le nom de Fort d'Euzay en 1802. Il constitue aujourd'hui la plus importante fortification de type Vauban en Martinique. Le fort d'Euzay abrite actuellement le siège du commandement supérieur des forces armées aux Antilles, ainsi que le 33e régiment d'infanterie de marine RIMA. Au cours d'une visite guidée de 1h30, les visiteurs apprendront plus sur cet édifice ainsi que sur l'histoire et les missions du 33e RIMA et vont admirer ces lieux habituellement fermés au public. Douve du fort, prison, salle d'honneur du régiment. Peter Sherif est un djihadiste de 42 ans dont le père est guadeloupéen, mais il n'a jamais vécu en Guadeloupe. Impliqué dans l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015, il est actuellement jugé à Paris. Il affirme ne pas avoir participé à cet attentat. Son procès, qui a commencé le 10, va durer 3 semaines. Il risque la prison à perpétuité. Le 15 septembre 2021, l'UNESCO a reconnu l'ensemble du territoire terrestre et marin de la Martinique, réserve de biosphère. Cette reconnaissance mondiale est due à tous ceux qui ont participé à la candidature de la Martinique et en particulier aux 4500 Martiniquais qui l'ont co-construite lors des réunions publiques tenues dans les 34 communes du territoire. Pour remercier chaque commune et ses habitants d'avoir porté collectivement cette ambition, construit ensemble cette candidature et obtenu sa réussite, une plaque a été réalisée en partenariat avec le groupe Bernard Ayotte, partenaire de la réserve de biosphère. L'inauguration de cette plaque aura lieu à la mairie du Carbet le jeudi 19 septembre à 11h30. Des poses de plaques se feront successivement dans les autres communes pour associer toutes les mairies et tous les Martiniquais à ce titre, un titre mondial prestigieux
qui engage la Martinique à préserver et valoriser ses richesses naturelles et culturelles dans une dynamique de développement soutenable. Il encourage l'éducation environnementale et la recherche scientifique sur le territoire. L'ensemble des propositions des Martiniquais a permis de construire le plan de gestion de la réserve de biosphère, dont le comité de gestion, constitué en septembre 2022, assure le suivi. La Martinique a donc intégré un réseau mondial de coopération de plus de 700 territoires, réserves de biosphère, dans 134 pays. La présidente de la réserve de biosphère de Martinique est Nathalie de Pompignan. Nos aînés font leur Olympiade, c'est le nom de la manifestation qui s'est déroulée le vendredi 13 septembre dernier à l'IMS, l'Institut Martiniquais du Sport, une première en la matière. C'était une façon d'inclure les seniors à la fête du sport que sont les Jeux Olympiques, d'autant que pour eux, comme pour tous, la pratique d'une activité physique est primordiale au maintien d'une bonne santé. L'initiative est partie de l'EHPAD des Trois-Îlets, menée par l'association Saphir. Elle a été suivie par 20 autres établissements d'accueil des personnes âgées et par les CCAS des Trois-Îlets et de Rivière-Pilote. Elle a obtenu le soutien de la CTM, de l'ARS, de l'IMS ainsi que de partenaires privés. Les jeunes du lycée Marius Kulce de Dillon qui vont en stage tout au long de l'année dans les structures pour personnes âgées ont été des acteurs importants des différents événements mis en place, ce qui a favorisé bien sûr les liens intergénérationnels. Il faut dire que les EHPAD proposent tout au long de l'année à leurs pensionnaires des activités physiques adaptées et c'est dans ce cadre que ces Olympiades ont pu être mises en place car il a permis la préparation des sportifs participants. Activités physiques comme roule auto et parcours d'obstacles auxquels ils sont déjà habitués, mais aussi sport cérébral avec des activités cognitives étaient au programme. Pour cet événement, chaque EHPAD a créé son propre drapeau et les champions ont bien entendu reçu les médailles bien méritées. En amont, une exposition de photos avait été présentée. On y voyait notamment les seniors porte-drapeaux. Quant à l'événement lui-même, son décor a été en partie conçu par les patients du service d'addictologie des Trois-Îlets. Publics et participants se sont montrés ravis, la plus belle des récompenses pour les organisateurs d'une manifestation exemplaire dans sa volonté d'inclusion. Le prochain rendez-vous est prévu dans 2 ans en principe. Retrouvez maintenant votre rubrique « Votre avis compte ». Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Les femmes martiniquaises sont-elles souvent trop en chair? Les femmes martiniquaises sont-elles souvent trop en chair? Il y en a beaucoup, il y en a pas mal qui sont vraiment catastrophiques. C'est une question délicate dans la mesure que c'est une nouvelle génération. Alors avant, il y avait les très grosses. Après, ça s'est réduit. Et là, ça a tendance à repartir. Alors, je ne dirais pas que ça... Bon, c'est pour... ça veut dire qu'elles sont en bonne santé. Alors, j'ai envie de répondre non, parce que trop en chair, ça veut dire trop costaud, si je comprends bien. Chacun a son vécu. On peut être costaud parce qu'on a des problèmes de santé, on peut être costaud parce qu'on vient d'avoir un enfant. Ça peut être la morphologie aussi, hein, au niveau de la famille. Donc, non, je ne suis pas d'accord. Maintenant, oui, il faut faire attention à son alimentation, il faut avoir une activité sportive, ok. Mais je ne porterai pas de jugement sur la morphologie de mes sœurs. Oui, elles sont trop en chair et trop dénudées. Oui, tout à fait. Trop dénudées. Elles profitent d'être en chair pour être dénudées, malheureusement. Elles ne se respectent plus. Et c'est décevant. Oui. Pourquoi? Parce qu'elles mangent trop. Mal. Ouais. Uniquement pour ça? Mm-hmm. Elles ne font pas de sport. Okay. En majorité, oui. Mm-hmm.
quoi, tu le sens. Enfin, c'est un constat général, hein, quand je regarde autour de moi, oui. Oui, surtout les jeunes. Hein. Ouais. Pourquoi, voilà. Pourquoi? Parce que c'est la malbouffe, la malbouffe, voilà. Mmh. Okay. On n'a plus le temps de faire à manger, on n'a plus le temps de faire à manger comme il faut, et des fois, voilà. Les femmes martiniquaises sont-elles souvent trop en chair? Pourquoi? Elles mangent trop, elles ne font pas de sport, elles mangent trop de gâteaux, de McDonald's, pas assez d'eau, pas assez sport. Moi je dirais que oui. Oui, il n'y a pas photo, oui. Pourquoi tu dis ça? Par rapport à certains facteurs tels que le manque d'activité physique de certaines femmes, je dirais la routine aussi, métro, boulot, dodo, comme on dit, et voilà. Parce que c'est surtout par rapport à ces deux facteurs-là. Et puis l'hygiène de vie, l'alimentation, il y a plein de choses derrière. Hein, plein de choses derrière. Oui. On ne peut pas dire le contraire. Pourquoi? Pourquoi on va savoir? Elle mange trop. C'est ça? À mon avis, il n'y a pas assez de sport. Voilà, c'est une question de goût personnel. Hein. Donc il y a autant, vous avez autant de réponses que de goût personnel des gens, en fait. Hein. C'est ça? C'est ça. Hein. Sinon, moi, je ne pourrais pas vraiment vous répondre. Je ne sais pas si c'est l'essentiel. Moi, je pense que ce qui compte surtout, c'est l'aspect santé. Et on sait qu'on a des problèmes, des taux d'obésité qui sont importants en Martinique et d'ailleurs ailleurs. Hein, on n'est pas les seuls. Donc, c'est surtout ça qu'il faut regarder plutôt que ce qui se passe dans le miroir. À mon avis, de plus en plus, par rapport à l'ancienne génération, oui. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il y a eu plusieurs étapes. Ça a commencé par des menaces verbales, largement véhiculées par les réseaux sociaux. Mais ces menaces violentes n'ont pas été suivies de faits qui leur ressemblaient. En effet, les groupes plus ou moins importants de personnes qui ont bloqué un certain nombre d'entreprises ici et là dans notre pays étaient souvent composés de gens, bon chic, bon genre, parfois des mères de famille accompagnées de leurs enfants. Les forces de l'ordre ne sont pratiquement pas intervenues. Cela s'est donc passé dans un calme relatif. Lorsque les membres du RPRAC ont monté l'opération, disons, cette recherche ne paye pas, c'était également une opération bon enfant. Elle a été filmée et regardée avec une certaine bienveillance par les téléspectateurs. Ça aurait peut-être été tout autre chose s'ils avaient décidé de partir, avec les caddies pleins, sans payer. Dès lors, c'est tout naturellement que le préfet a invité à la table des discussions, voire des négociations sur la vie chère, les membres du RPRAC. Ces derniers auraient pu considérer cela comme une magnifique victoire, eux qui venaient à peine d'apparaître dans le paysage martiniquais. Mais voilà qu'ils ont eu une exigence, celle que ces négociations soient filmées et mises à la disposition de tout le monde, en direct. C'est une exigence extrêmement originale qui n'a jamais, à notre connaissance, existé dans les milliers de négociations qui ont déjà eu lieu en France, en Martinique et dans tous les domaines. C'est donc sans surprise que le préfet de région, organisateur de ces réunions, a refusé d'accéder à cette demande. Tout a donc recommencé, comme au départ, des menaces, mais cette fois accompagnées de faits violents ou d'effets violents qui leur correspondent. C'est ce que l'on observe depuis deux nuits. Les troupes mobilisées par le RPRAC sont cette fois essentiellement composées de jeunes garçons déshérités qui habitent Sainte-Thérèse, un quartier déshérité lui aussi. Ce qui caractérise ce quartier, c'est qu'il est longé par l'avenue Maurice Bishop, la plus importante avenue de l'île, qui relie une partie du nord et tout le sud à la capitale, Fort-de-France. Si cette avenue s'était trouvée à proximité de Volga-Plage ou de Trenel, eh bien ce sont les jeunes de ces quartiers-là qui auraient entrepris de commettre les exactions que l'on observe. Voitures brûlées, magasins défoncés et pillés, projectiles lancés à l'encontre des forces de l'ordre. En général, en France en tout cas, lorsque ce genre d'événement se produit, il s'agit de délinquants qui se battent pour continuer à exercer les activités illicites
auquel ils se livrent. Il s'agit en général du trafic de drogue. En Martinique, c'est tout autre chose. Les manifestants de l'avenue Maurice Bishop et du canal Alaric prétendent défendre l'intérêt général, les intérêts de tout un peuple dont ils veulent être en quelque sorte le bras armé. On serait donc là dans une guerre juste, même si les pillages que l'on observe viennent ternir cette image. Certains diront qu'avant de partir en guerre, il faut donner le temps à la négociation. Rien ne dit en effet que même sans le RPRAC à la table de négociation, des résultats intéressants ne seront pas au rendez-vous de ce combat contre la vie chère. Reste le reste, la bataille elle-même. Les forces de l'ordre, nombreuses et bien équipées, face à des jeunes nombreux eux aussi, extrêmement mobiles et qui connaissent bien le terrain. L'issue de cette bataille ne fait pas de doute pourtant. La France est un grand pays, doté d'une armée puissante, et sa culture, c'est ce que l'histoire nous enseigne, sa culture, c'est de se battre et de rechercher la victoire à tout prix dans ses ex-colonies. La Nouvelle-Calédonie en est le plus récent exemple. À tout prix, c'est-à-dire que si pour l'obtenir, elle doit utiliser les armes sophistiquées et les soldats d'élite qu'elle possède, elle le fera. Que Dieu nous garde d'en arriver là. Les jeunes que nous avons vus dans les rues ces nuits, parfois des ombres cagoulées, ont des parents et des fiancés qui les aiment. Ils ont une vie devant eux, même si elle ne leur paraît pas réjouissante. Ces jeunes-là ne méritent pas de risquer leur vie, et encore moins depuis que l'on sait que les négociations pour la cause qu'ils défendent ont déjà acté des résultats significatifs. Dans notre sujet santé ce soir, il est question de brosses à dents électriques. Les premières brosses à dents électriques sont disponibles vers l'âge de 4 ans, voire 3 ans pour certains modèles. Si on ne les recommande pas dès les premières dents, c'est une question de maîtrise du geste. Il faut que l'enfant apprenne vraiment bien à se brosser les dents, y compris celles du fond, avant de passer à un appareil qui vibre et fait du bruit, et risque de le déconcentrer. Les dentistes sont unanimes pour dire que la brosse à dents électrique n'est pas mieux qu'une brosse à dents manuelle. Une brosse à dents manuelle bien utilisée retire autant de plaques qu'une électrique. Mais si votre dentiste estime que votre enfant n'a pas un brossage très efficace, et s'il rechigne à se brosser les dents pendant les 2 minutes réglementaires, passer à l'électrique peut l'aider. En effet, celle-ci fait une partie du travail pour lui et la minuterie aide à évaluer la durée nécessaire du brossage. En ce qui concerne les modèles de brosses à dents électriques, vous avez l'embarras du choix dans les modèles des grands magasins. On peut regretter que le brossage soit considéré comme une corvée qu'il faut rendre moins pénible par la musique, mais si c'est efficace pour que les enfants se brossent les dents, il n'y a certainement pas à hésiter. Attention cependant, il est important de sélectionner le dentifrice avec soin et en fonction de l'âge de l'enfant. Le dosage en fluor doit être en effet adapté à son développement. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous remercie de votre fidélité. Je remercie tous ceux qui y ont participé. Jordan, Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jeannie Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Diaz, Getty Galva, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph et Roland Laouché. Ce journal est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir cette édition sur kmttelevision.fr. Je vous souhaite une très bonne soirée en notre compagnie et que Dieu garde la Martinique.